Depuis la création de l'euro en 2002, l'euro a perdu près de 40% de sa valeur par rapport au franc suisse. Quand on voit à quel rythme la zone euro fait tourner sa planche à billets pour honorer ses engagements, détenir des euros dans son patrimoine ne me paraît pas être le placement le plus judicieux. Que vous soyez un résident français qui souhaite se protéger d'une baisse de son niveau de vie ou un investisseur suisse qui a des biens immobiliers en France ou bien en Italie, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez gagner de l'argent si l'euro devait continuer à perdre en valeur par rapport au franc suisse grâce à une couverture de change. Spéculer sur les variations de valeur de monnaie à long terme est un exercice très difficile. D'ailleurs, je vous invite à consulter la liste des 100 les plus riches selon le classement de Forbes. On y retrouve des noms comme Warren Buffett et Ray Dalio, mais la vérité est qu'aucun de ces grands investisseurs n'a fait fortune grâce à la spéculation sur le marché des devises. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est d'investir dans le pays qui avait le meilleur potentiel de croissance. Dans ce cas, c'était les États-Unis grâce à son libéralisme, son entrepreneuriat et sa protection pour ses investisseurs. Si vous souhaitez investir dans un pays qui se développe vite, c'est une recette très simple. Choisissez un pays qui a des entrepreneurs talentueux, des accès aux capitaux, une fiscalité attrayante et une stabilité politique. Mais attendez, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes ingrédients en Suisse à ce niveau-là La réponse est oui, mais on va y revenir un peu plus tard. Parlons d'abord de la zone euro. Voici les raisons pour lesquelles je pense que l'euro va continuer à perdre en valeur de manière générale. On a une augmentation des coûts de l'énergie en Europe suite à la guerre en Ukraine, ce qui va engendrer une baisse de la productivité des entreprises européennes, et comme les entreprises européennes sont moins rentables, elles vont générer moins de bénéfices et les recettes fiscales seront plus faibles. On a en parallèle une augmentation des dépenses sociales de manière significative, c'est ce que j'appelle le coût de la paix. Pour financer ces déficits, ça va engendrer une augmentation de la dette publique interne en imprimant de l'argent, et c'est ce qui fait augmenter l'inflation. Soit la perte de valeur de la monnaie. Il n'y a pas besoin d'être un génie hein, pour bien comprendre le problème. Quand vous avez des recettes fiscales qui sont inférieures à vos dépenses publiques, ce qui est le cas dans la zone euro, vous n'avez que deux solutions soit obtenir un prêt ou bien imprimer de l'argent. La zone euro ne peut plus se passer de ces deux outils qui exercent une forte pression sur la baisse de valeur de l'euro. Mais au centre de tout ce merdier, on y retrouve un havre de paix la Suisse. Mis à part son chocolat, ses montagnes et ses lacs cristallins, c'est avant tout une vraie démocratie, une fiscalité attrayante qui peut attirer les entrepreneurs européens et des dépenses sociales qui sont sous contrôle grâce à un budget à l'équilibre. C'est-à-dire que les recettes fiscales couvrent les dépenses de la Confédération et des cantons. Mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que le franc-suisse va continuer à s'apprécier par rapport à l'euro sur le long terme, soit les 5 à 10 prochaines années. Par contre, il y a un point important à garder en tête. La Banque nationale suisse a toujours appliqué une politique monétaire afin de contrôler l'appréciation du franc suisse. Nos banquiers centraux ont très bien compris que si la banque centrale suisse n'intervenait pas sur le marché d'échange, le franc suisse exploserait à la hausse, ce qui pourrait créer de graves conséquences pour les sociétés exportatrices. Ce que fait la BNS, c'est qu'elle va imprimer des francs suisses par un simple jeu d'écriture comptable, ce qui va faire augmenter le nombre de francs suisses en circulation et elle va tout de suite les vendre sur les marchés financiers pour acheter des actions américaines. Maintenant que nous avons un peu la vision générale, quel produit utiliser pour se protéger d'une baisse de l'euro par rapport au franc suisse vous pouvez utiliser des produits dérivatifs comme des futurs ou bien des CFD pour effectuer une couverture de change ou même spéculer sur les variations de change des monnaies. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir que ce n'est pas si difficile à comprendre. Personnellement, j'utilise des contrats CFD, en français contrat par différence. Comme son nom l'indique, si vous prenez un contrat euro CHF à 100 000 euros à la vente et que l'euro perd 5 de sa valeur par rapport au franc suisse, vous allez gagner 5 000 euros. Mais dans l'autre sens, si l'euro s'apprécie de 5 par rapport au franc suisse, vous allez perdre 5 000 euros. Je vous recommande les CFD pour commencer car c'est beaucoup plus simple à comprendre. L'important avec ce type de contrat, c'est d'utiliser un bon broker car votre broker sera votre contrepartie, c'est-à-dire la personne qui va prendre la position inverse. C'est exactement comme au casino. Si vous gagnez trop d'argent, le casino va faire faillite. Avec les CFD, si vous gagnez trop d'argent, votre broker va bah, vous détester. C'est pourquoi il faut un broker solide et ne pas gagner trop d'argent. À titre personnel, j'utilise Interactive Brokers. Vous avez une vidéo à ce sujet en description sur comment ouvrir un compte. On va déjà commencer par mettre en place une stratégie de spéculation et vous montrer les frais qui se cachent derrière ce type de contrat. Nous allons vendre un contrat CFD euro franc-suisse pour une valeur nominale de 100 000 euros. Vous allez avoir deux types de frais à prendre en compte. Premièrement, la commission à votre broker pour prendre la contrepartie et le risque du taux de change. Deuxièmement, la différence des taux d'intérêt. Voici un petit exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Prenons une valeur de l'euro franc suisse au 1er janvier à 0,95, c'est-à-dire qu'à 1 euro pour 0,95 centimes de franc suisse, taux d'intérêt sur l'euro à 6%, taux d'intérêt sur le franc suisse à 2% par an. La commission de votre broker sera de 0,5% par an. Quel sera votre gain après une année Vous êtes donc dans une position vendeur de l'euro et acheteur du franc suisse, où vous devrez payer 6% d'intérêt sur les euros et vous recevrez des intérêts sur la position en france suisse de 2%. Vous allez donc devoir payer un intérêt net d'environ 4% par an et en plus de ça, 0,5% de commission à votre broker, soit des frais totaux de 4,5% par année. Ainsi, c'est très simple à comprendre. Si l'euro perd 4,5% de sa valeur après une année par rapport au franc suisse, vous aurez un gain de 4,5%, mais vous devrez payer les frais à hauteur de 4,5%. Vous n'aurez rien perdu, mais vous n'aurez rien gagné aussi. Il faut donc que l'euro perde plus que 4,5% de sa valeur par rapport au franc suisse dans cet exemple pour que vous gagniez de l'argent. A l'inverse, si l'euro maintient sa valeur par rapport au franc suisse et garde sa valeur à 0.95, vous aurez perdu 4.5% sur la forme des intérêts négatifs et des commissions. Pour prendre un contrat d'une valeur nominale de 100 000 euros, il faut s'attendre de manière raisonnable à des fluctuations de valeur de l'ordre de 10% jusqu'à 20% par an. Donc préparez-vous à perdre jusqu'à 20 000 euros dans des scénarios pessimistes. Malheureusement, vous vous exposez à une perte illimitée sur ce type de contrat. Vous pourriez utiliser des options si vous souhaitez obtenir une garantie sur la perte maximum, mais ce sont des contrats qui sont vraiment complexes à comprendre pour des particuliers. Pour une stratégie de couverture, voici un exemple. Vous avez une maison en France que vous avez achetée pour 100 000 euros, pour l'équivalent de 100 000 francs suisses. À ce moment-là, 1 euro valait 1 franc suisse, pour faire simple. La vision de base, c'est que le prix de l'immobilier va continuer à augmenter en euros, mais que l'euro va perdre en valeur par rapport aux francs suisses. C'est pourquoi il vous faut une couverture de change. Voici comment ça se passe sans prendre en compte les frais. Dans le premier scénario, vous n'avez pas de couverture de change. Si la valeur de votre bien augmente de 10% et l'euro perd 10% par rapport au franc suisse, votre gain net est d'environ 0%. Dans le deuxième scénario, nous allons cette fois mettre en place une couverture de taux de change en vendant le contrat euro CHF. On va reprendre une augmentation de la valeur de votre bien de 10%. Une baisse de la valeur de l'euro par rapport au franc suisse de moins de 10%, donc vous allez générer une perte sur la différence de taux de change. Mais cette fois-ci, vous avez votre contrat de couverture qui lui va vous générer un gain avant frais de 10%. Donc en total, vous allez gagner 10% sur l'augmentation de la valeur de votre bien, perdre 10% sur taux de change, mais gagner 10% sur votre contrat de couverture de change, ce qui fait un gain net de 10% sur cette opération. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'avant de mettre en place une couverture de change, vous devez faire une analyse de tous les scénarios possibles dans le cas où l'euro devrait s'apprécier par rapport au franc suisse. Deuxièmement, vous devez aussi décider. Du pourcentage que vous souhaitez couvrir. Si vous souhaitez avoir une couverture parfaite, c'est-à-dire couvrir 100% de la valeur de la maison, vous pourriez prendre un contrat de 100 000 euros. Vous pouvez aussi décider de ne couvrir que 50% de la valeur de la maison pour le taux de change, soit un contrat à la vente de l'euro de 50 000 euros. Placer une transaction dans sa plateforme d'investissement, c'est très facile. Par contre, il faut absolument bien faire le travail en amont, évaluer les différents scénarios et le risque maximum afin de ne pas commettre d'erreur. Si vous souhaitez mettre en place un tel process, n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. Je vous ai beaucoup parlé de CFD, mais vous pourriez aussi utiliser un contrat futur à la place. Un contrat futur, c'est un contrat qui est coté sur un marché où l'acheteur et les vendeurs se mettent d'accord aujourd'hui sur le prix futur auquel vous allez pouvoir vous échanger le sous-jacent et à quelle date vous allez effectuer le transfert. Prenons un exemple. Si la valeur au comptant du contrat euro franc suisse au 1er janvier est de 0,95, c'est-à-dire que 1 euro vaut 0,95 centimes de franc suisse on va prendre un taux d'intérêt sur l'euro de 6%, un taux d'intérêt sur le franc-suisse de 2% et une échéance dans une année. Dans ce cas-là, le contrat futur sera coté à 0,912. Il va déjà prendre en compte la différence du taux d'intérêt de 4% et il va anticiper que la valeur de l'euro va perdre 4% par rapport au franc-suisse. Donc, si la valeur au comptant de l'euro perd seulement 4% par rapport au franc suisse dans une année, vous n'aurez rien gagné avec un tel contrat. Par contre, pour la mise en place, le plus gros problème, c'est qu'il faudra mettre en place un compte de marge avec votre broker. Vous devez avoir un minimum de capital disponible sur votre compte. Par exemple, si vous avez un compte avec Interactive Broker de 100 000 francs suisses en actions, vous pourrez utiliser vos actions comme garantie pour prendre un contrat futur. Finalement, un contrat futur aux franc suisse, ça n'existe pas vous devrez utiliser un contrat à l'achat sur la paire USD-CHF et un contrat à la vente sur la paire EURUSD. Cette solution me paraît un peu plus compliquée à mettre en place pour les particuliers, mais elle est mieux pour les montants plus importants car les frais seront moins élevés par rapport au CFD. Si vous avez des euros sur un compte bancaire, c'est ce qu'on appelle des actifs liquides, et que vous souhaitez obtenir une exposition au franc suisse, vous pouvez le faire de manière très très simple. Voici les options qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pourriez placer votre argent sur un compte bancaire en Suisse, alors vous auriez un rendement qui serait vraiment très faible, mais un risque qui serait aussi très très faible. Deuxièmement, vous pourriez investir votre argent avec une société de crowdlending en Suisse. Vous auriez un risque moyen avec un rendement aux alentours de 4 à 6 au moment où je tourne la vidéo. Alors je vous ai fait une vidéo complémentaire sur ce sujet, n'hésitez pas à la regarder avec le lien en description. Et troisièmement, vous pourriez investir dans des actions de suisses. Vous aurez un risque qui serait beaucoup plus élevé, mais en contrepartie, un rendement attendu qui est plus élevé. Mais attention, il faut bien investir dans les actions suisses qui ont une exposition au niveau national. C'est-à-dire que ces sociétés payent leurs fournisseurs en Suisse avec des fonds suisses et que ces sociétés vendent à leurs clients en Suisse et reçoivent des fonds suisses en échange. Pour vous donner un exemple typique sur ce secteur, vous pourriez prendre des assureurs comme Swiss Life par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt